Ouais, on a été giflé par Bordeaux, tout simplement. Voilà, donc on a eu le sentiment de faire une première mi-temps assez correcte, mais bon, on a fait un jeu égal au niveau des situations, des occasions, et eux, ils ont été donc terriblement efficaces. Je crois que d'ailleurs, le but de Camano, c'est la première frappe cadrée, ça fait but. Puis après, il y a ce deuxième but qui nous fait très mal, donc le corner. Ce deuxième but juste avant donc de finir la mi-temps et c'est vrai qu'après on se complique la tâche quoi donc puis après la deuxième mi-temps n'y a plus de match. Bah déjà de rester calme et puis surtout donc bah, c'est clair que le deuxième carton jaune pardon qu'il a donc John nous complique la tâche. Vous vous retrouvez donc à 10 en étant mené 2-0. Donc après c'est mission impossible quoi. Donc on a raté tout simplement notre match. Voilà, c'est arrivé une fois, donc voilà, c'est fait. Maintenant, c'est ce que je ne veux plus revoir, quoi. De toute façon, sur les derniers matchs, pardon, qui vont nous rester. Voilà, c'est d'être capable de, dans la difficulté, de faire front et puis surtout de montrer un autre visage. Mais bon, là, c'est arrivé une fois. On fera en sorte que ce soit donc la dernière fois. Chaque confrontation est différente et qu'il faut se préparer à chaque fois. Et c'est vrai que peut-être que la préparation qu'on a eue contre Lyon, donc elle a été vraiment très bonne. Et puis à un moment donné, il y a peut-être une espèce de relâchement. Après, il ne faut pas avoir peur qu'aujourd'hui, on donne raison aux absents, hein. Nous, on a un effectif, quand vous n'avez pas Briand, Marçal, Sorban, plus des petits bobos qu'on a eus avec Jordan Ikoko, Bessama, donc qui sont donc malades, c'est vrai que c'est un peu. Voilà, donc pour nous, c'est forcément plus compliqué. Mais je ne voulais pas donc rentrer dans ce jeu-là, parce que c'était donc important pour que ceux qui joue donc enfin puisse montrer un autre visage, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Puis après, il faut féliciter aussi la prestation de Bordeaux, hein. Ils ont été terriblement efficaces dans cette première mi-temps, donc c'est vrai que ça leur a donné la confiance pour pouvoir après donc faire ce qu'il faut en deuxième mi-temps et plier le match. Oui, on a raté notre match, hein, voilà. C'est arrivé une fois maintenant, voilà, il faut accepter qu'aujourd'hui, même si on n'aime pas ça, hein, que Bordeaux nous a été supérieurs. Puis après, c'est surtout très important, c'est préparer le prochain match. Voilà, on reçoit Monaco. Oui, mais oui, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir la prestation du petit Camano. Donc voilà, Malcolm aussi, Laborde aussi marqué. Donc. Les trois devant ont fait les différences. Et puis donc c'est clair que ça a mis donc cette équipe de Bordeaux sur orbite. Et puis voilà, après ils ont eu une deuxième mi-temps, on va dire, tranquille. Nous, on pense surtout donc à prendre les matchs comme ils viennent là et puis donc essayer de faire les meilleures prestations. On ne s'occupe pas du classement et puis de regarder ce que font les équipes ni de devant ni de derrière. Donc nous. C'est quand on est à Guingamp, il faut chaque match le prendre avec la plus grande détermination, la plus grosse volonté pour essayer minimum de gratter un point et puis pourquoi pas donc après arracher les victoires. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas été capable donc dans les temps forts de Bordeaux de résister et puis surtout de ne pas encaisser de but parce qu'on a eu, on a vu en première mi-temps, on a eu d'ailleurs les premières situations, c'est nous qui les avons eues donc. Et aujourd'hui, on a appris à nos dépens ce qu'on a été capable de faire le week-end dernier face à Lyon, quoi. Efficacité, réalisme. Vous croyez qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler donc de ce qui se passe ailleurs, sans déconner? Aujourd'hui, je parle de Guingamp, du travail qu'on fait, et c'est tout. Quand on a pris 3-0, comme j'ai dit aux joueurs, on va pas se la raconter aujourd'hui. Donc on va faire donc le dos rond. Et puis surtout, on va travailler pour se concentrer. Pour Monaco, voilà. Mais bon, Bordeaux nous a été supérieur, hein, attention, hein. Donc voilà.